quel scandale, quel scandale. Oh là là, c'est incroyable. Vous vous rappelez des poussiériotes qui ont été enfermées, qui ont été emprisonnées par Poutine. Récemment, les chanteuses, les trois chanteuses punk, oui, parce qu'elles ont été condamnées pour hooliganisme et pour incitation à la haine religieuse, parce qu'elles ont chanté une chanson anti-Poutine dans une église. Et bien, Mireille Mathieu, oui, Mireille Mathieu, qui était invitée en Russie à la télévision, parce que bon, là-bas, elle a ses petites habitudes, ses petits amis, ses petits copains, c'est une star. Oui, Mireille Mathieu. Eh bien, elle a enfoncé, elle a cassé les poussiériotes. Elle a enfoncé le couteau dans la plaie. Et on en a rajouté une couche. Elle a dit que oui, c'est normal parce que les chanteuses n'avaient pas à manifester dans une église contre Poutine. Ça se faisait pas, c'est un blasphème et tout ça. Voilà. Alors du coup, c'est une information qui a défrayé la... Non, elle a ébranlé... Non plus. Non. Elle a secoué éventuellement. Même pas. Elle a perturbé. Même pas. Mais au fait, là, je suis en train d'y penser, là. Mireille Mathieu. C'était pas une des meufs de Ramsès II ou de François Ier ou de Clovis, je sais pas. Que la paix soit sûre.